Bonjour. Depuis plus de 65 ans, IXO fabrique des unites dentaires avec un objectif principal, améliorer les conditions de travail des chirurgiens dentistes. Et chez IXO, nous avons un slogan qui est de dire que pour bien travailler, il faut être bien assis et bien voir. Pour être bien assis, nous préconisons la position assis-debout, où le praticien va être assis sur une selle de cheval avec une angulation à 120 degrés qui va faire que toutes les charges de son corps vont être réparties sur l'ensemble du corps, y compris donc les membres inférieurs, et il va pouvoir se déplacer comme s'il marchait de cette façon sans faire travailler ses lombaires. Pour bien voir, le praticien doit se trouver au-dessus de la cavité buccale. C'est pourquoi nous avons fait sur notre dossier une échancrure et nous avons également fait un dossier suffisamment court pour qu'un patient de petite taille puisse positionner sa nuque sur la tétière. La tétière à double articulation va permettre au praticien de positionner la tête de son patient dans les meilleures conditions de vision possible, y compris pour les personnes souffrant d'arthrose cervicale. Un travail de précision se fait dans les meilleures conditions possibles de posture, de vision et de concentration. L'intérêt d'avoir l'instrumentation placée, comme on l'a vu, trois quarts face par rapport à la bouche du patient, va permettre à l'assistante de pouvoir changer un contre-angle ou de changer une fraise, chose qu'elle ne pourra pas faire dans le cadre d'un unit à cordon pendant ou un CART. Avec notre système de balancier, les instruments sont en apesanteur totale, ce qui va permettre au praticien de conserver son sens tactile puisqu'il n'aura aucun rappel pendant l'utilisation de l'instrument. L'éclairage multidirectionnel va permettre au praticien d'éclairer dans son axe de vision, y compris dans la position 12 heures, où il pourra, grâce aux bras suffisamment longs, éclairer dans cet axe de vision. Sur l'unit IXO, le fauteuil est suspendu et décalé vers l'arrière de façon à libérer beaucoup de place pour l'équipe soignante. Le fauteuil monte très haut, le support instrument également. Ceci va permettre donc d'effectuer certains actes debout. Les praticiens de grande taille n'auront pas à se courber pour effectuer ces mêmes actes. Il descend également très bas pour faciliter l'accès des personnes handicapées, personnes âgées et des enfants. L'écran IXO est monté sur un bras suffisamment long qui va permettre de communiquer avec le patient sans pour autant avoir besoin de le relever. Afin de faciliter la communication avec votre patient, sans avoir besoin de lui demander de se déplacer, IXO a produit un écran monté sur un bras suffisamment long qui va vous permettre de le positionner dans le champ visuel de votre patient. La pédale gère toutes les fonctions de l'unité. Pas de touche, pas de clavier, pas de curseur, donc pas de risque de contamination croisée. Je viens en quelques minutes de vous présenter une partie des avantages de l'unit IXO. Je vous invite à les découvrir de façon plus approfondie chez l'un de nos distributeurs agréés.